l'océan Indien, la mer Rouge et Suez. Le bateau aborde le plus long canal du monde sans écluse, le canal de Suez. Le rêve fou de traverser l'isthme de Suez pour faire se rejoindre la mer Rouge et la Méditerranée est un projet très ancien. Le pharaon Sésostris III, puis le perse Darius Ier s'y sont attelés, mais les ensablements ont détruit leurs ambitions. Bonaparte, avec ses ingénieurs, démontrera qu'un canal n'est pas réalisable sans écluse, car il existe une différence de 9 mètres entre les niveaux de la Méditerranée et de la mer Rouge. Cette erreur va différer de 50 années le début des travaux. 50 ans plus tard, les calculs montreront finalement l'absence de différence de niveau. La construction d'un canal sans écluse devient alors possible. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le canal de Suez est enfin réalisé grâce à une levée de fonds géante à la Bourse de Paris sous la direction du diplomate français Ferdinand de Lesseps. Il va permettre aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. Le 30 novembre 1854, Ferdinand de Lesseps obtient du vice-roi d'Égypte la concession de la zone du canal pour une durée de 99 ans. Il fonde la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, qui dirigera la construction de l'ouvrage de 1859 à 1869. Le percement du canal est d'autant plus intéressant qu'il va réduire d'une dizaine de jours le trajet sur les grandes lignes maritimes Asie-Europe pour les navires à vapeur qui remplacent progressivement les navires à voile. Ces nouveaux navires naviguent sans difficulté dans un couloir étroit. Les Anglais sont naturellement opposés au projet, craignant une désaffection de leur route des Indes. La construction demande 10 années d'efforts intenses. 1 500 000 fellahs vont y travailler dans des conditions extrêmement pénibles, avec peu de matériel et des salaires aléatoires. Les paniers de transport viennent à manquer. La terre sera transportée directement, plaquée sur le dos, pour être déversée au sommet des digues latérales. Plus de 125 000 vont mourir, surtout du choléra. Les pelleteuses à godets, les excavatrices, feront leur apparition en 1865. Elles faciliteront la tâche des ouvriers durant la fin des travaux. La propriété du canal sera partagée entre Égyptiens et Français de façon équilibrée. Le coût des travaux et aussi de la fastueuse inauguration va obliger les Égyptiens à céder leur participation aux Anglais qui prennent alors le contrôle du canal. En 1888, le canal est déclaré libre et ouvert à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon, que ce soit en temps de guerre ou de paix. En 1956, Nasser nationalise le canal en ayant préalablement demandé aux Anglais de rentrer à la maison. La guerre des Six Jours en 1967 entraîne pendant 8 ans la fermeture du canal. Les tankers vont à nouveau contourner l'Afrique. Le canal reprendra son activité en 1975 sans interruption. Pour améliorer la fluidité de la navigation, en 2015,
l'Égypte creuse un deuxième canal parallèle au canal de Suez sur sa partie orientale. Ce nouveau canal de 72 km va coûter environ 3 milliards d'euros. Les travaux seront menés sur 36 mois, faisant travailler 43 000 personnes et 6 sociétés de dragage. Les travaux impliquent l'approfondissement et l'élargissement du canal existant sur 35 km, le creusement d'une nouvelle voie sur 37 km au niveau de la ville d'Ismaïlia, la navigation croisée et non plus alternée devient alors possible sur 113 km pour tous les navires jusqu'au Maxi Suez, c'est-à-dire les bateaux possédant un tirant d'eau de 20 mètres maximum, transportant au plus 240 000 tonnes et ayant une hauteur maximale de 68 mètres. Le tablier du pont d'El Kantara s'élevant seulement à 70 mètres. Les obligations, assistance obligatoire lors de la traversée par un pilote égyptien à bord. Naviguer à 8 nœuds en respectant une distance d'un mille avec les bateaux précédents et suivants. La longueur totale du canal est de 170 km. Sa largeur est comprise entre 270 et 340 mètres. La profondeur de 24 mètres, circulation à double sens sur 113 km. Le résultat de cette opération. Le temps d'attente avant le passage dans le canal passe de 11 heures à 3 heures. La durée de navigation dans le canal est de 10 heures pour un Maxi Suez. Navires par jour pourront passer au lieu des 49 avant les travaux. Il permet le passage de 8% du commerce maritime mondial contre 5% pour Panama. Le canal de Suez devrait rapporter annuellement 13 milliards de dollars en 2023, selon les estimations gouvernementales. L'ouverture du nouveau canal a eu lieu le 6 août 2015. Le canal reste en permanence sous haute protection. L'instabilité de la région demeure. Au cœur des grands conflits du siècle dernier, le canal de Suez reste aujourd'hui encore un enjeu majeur pour le commerce mondial, la stabilité régionale et la sécurité de l'Égypte. Sa situation au Proche-Orient le place à la merci des conflits internationaux. Des murs et palissades sont alignés le long des rives. Des ponts flottants prêts à être déployés
sont disposées à intervalles réguliers au bord du canal. La route qui longe le canal sur la rive ouest est hérissée de checkpoints, de guérites et de miradors. Des hélicoptères survolent régulièrement l'ouvrage et dès qu'un bâtiment militaire entre dans le canal, les Égyptiens mettent des moyens de surveillance aérienne par drone ou par les rafales achetées en 2015. Le canal rapporte près de 6 milliards de dollars, c'est-à-dire le tiers des recettes en devises du pays. L'Égypte espère une croissance régulière. Cet espoir est lié à, d'une part, la croissance du nombre de passages de navires. Le coût d'un passage pour un gros conteneur est de l'ordre de 800 000 dollars. D'autre part, le prix du pétrole. Quand le baril descend, les bateaux ont tendance à choisir la route du Cap de Bonne-Espérance ou Panama, faisant la balance tant de navigation, coût du baril, coût du canal. C'est pourquoi l'Égypte développe le long du canal des zones d'activité qui ont déjà attiré les Chinois, Russes, Anglais, se traduisant par de nouveaux espaces productifs, tels des raffineries et de la pétrochimie autour des villes de Suez et Port Saïd. La vallée technologique et agroalimentaire à 10 km à l'est d'Ismaïlia en est aussi un exemple de développement avec sa ville nouvelle conçue pour accueillir 500 000 habitants. Le nouveau canal permet en quelque sorte au président de légitimer son pouvoir par la grandeur et le développement économique de l'Égypte. Les monuments récents élevés à la gloire de l'Égypte sont nombreux à venir s'ajouter à ceux déjà disposés le long du canal. L'objectif du régime du maréchal président Al-Sissi consiste à faire du canal et de sa région la vitrine de la réussite de l'Égypte.